Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo digital versus traditionnel. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo versus. N'hésitez pas, si jamais vous kiffez ce format, donnez-moi vos idées de prochains versus en commentaire. Et oubliez pas les amis, le petit like, ça me motivera à en faire plus. Cette vidéo, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je l'avais déjà faite à l'époque. Mais aujourd'hui, j'ai un meilleur niveau en digital et j'ai un meilleur niveau en traditionnel. Donc j'ai décidé de la refaire, tout simplement, de refaire une vidéo de ce style-là. Et celle-ci est faite en collaboration avec XP-Pen. XP-Pen, je pense que vous connaissez tous, c'est une marque de tablettes graphiques. Et pour cette vidéo, j'ai eu la chance de recevoir 4 nouvelles tablettes XP-Pen que je vais vous présenter. Pour cette vidéo, il y aura un gros concours où vous pourrez gagner de manière extrêmement simple de très très beaux cadeaux. Il suffira de me suivre sur Instagram et de suivre également XP-Pen sur Instagram. Je vous mettrai les Instagram à l'écran et en description. C'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, moi, j'effectue 3 tirages au sort. Attention quand même, je vais préciser que ce sera parmi les nouveaux abonnés XP-Pen. Donc si jamais vous êtes déjà abonné à XP-Pen, n'hésitez pas à vous réabonner, comme ça vous êtes bien parmi les nouveaux et je peux effectuer le tirage au sort tranquille. Pour le troisième, les amis, il gagnera tout simplement 3 imprimés de mes plus beaux dessins, évidemment dédicacés et signés à son nom, avec également un gant de dessin offert. Voilà, donc un beau petit lot d'une valeur à peu près de 50€. Pour celui qui sera tiré en deuxième position, ce sera un gros colis de matériel dessin. J'ai mis beaucoup de choses, des trucs que j'ai reçus, que j'ai quasiment jamais utilisés. Donc ça, ce sera pour le numéro 2, plein de matériel dessin. Et enfin, pour le premier gagnant, il gagnera tout simplement une tablette de dessin. Donc pour ça, encore une fois, c'est extrêmement simple. Vous suivez les 2 comptes Instagram et vous attendez d'être contacté via vos DM. Coucou, voilà ce que tu as gagné. Envoie-moi tes infos et je vous envoie ça par la suite. N'hésitez pas à remercier XP-Pen du coup qui m'aide à organiser ce concours. Voilà, un petit merci XP-Pen, ça ferait super plaisir. Et moi, je vous emmène pour la suite. Cette vidéo, je vais tester celle-ci. Sont trop belles, des couleurs un petit peu pastel comme ça, j'adore. On dirait des petits macarons. C'est tout simplement les nouvelles générations de tablettes XP-Pen, seconde génération. Et sachez du coup que c'est une nouvelle technologie qui est utilisée, bien plus performante que l'ancienne, notamment ici avec le stylet qui est en X3. Et c'est parti, je vous emmène pour la tester. Les gars, on ressent tout de suite la nouvelle technologie appliquée sur le stylet. Je sais pas comment expliquer ça, c'est beaucoup plus fluide. Et les traits sont bien plus fidèles au mouvement du poignet qu'on fait. Thank you.
voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, ça ne reflète que mon propre niveau en digital et en traditionnel. J'ai essayé d'utiliser les mêmes techniques de coloration et d'ancrage pour les deux. Si je dois résumer comme ça et donner un avantage pour le digital et un avantage pour le traditionnel, l'avantage pour moi dans le traditionnel, ça reste le line, le trait en fait, l'ancrage. Et l'avantage complètement fou dans le digital, c'est le niveau de zoom et de détail qu'on peut apporter. Directement, quand je suis passé sur papier, j'ai trouvé ça trop petit. La zone de travail de l'œil, par exemple, là où en digital, je pouvais zoomer et avoir quasiment toute une zone de feuille A4 pour uniquement travailler mon œil. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez vivre du dessin, vous aurez besoin du digital dans l'immense majorité des métiers. Je rappelle les amis qu'il y a un gros concours. Je vous laisse tout voir en description. Vous avez les dates. Encore une fois, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de vous abonner à deux comptes Instagram que je vous remets à l'écran. Dites-moi quelle version vous préférez. Est-ce que vous préférez ma version papier? Est-ce que vous préférez ma version digitale? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à reproduire ce petit challenge chez vous et à me taguer sur les réseaux. Merci à XP Pen d'avoir soutenu cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez vous acheter la nouvelle tablette XP Pen Artist 12 seconde génération, elle est en plus vraiment pas très chère avec le petit code de réduction. Évidemment, vous avez tout également en description. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.